Mannequin, mannequin sans fossé. Bonjour à tous, c'est moi, c'est Pakash. Pakash Monisha. Vous êtes aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose d'important qui m'impacte directement. Ça m'impacte, ça me fait mal, ça fait mon cœur faire mal. Mon cœur fait mal quand je pense ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent Prakas. Certains, ils s'appellent Prankas. Mais ils s'appellent tous pratiquement Prakas. Il m'envoie un message, il me dit « Prakas, on a besoin de ton aide. » Parce que tous les humains, ils se moquent de moi parce que tu as les mêmes noms que moi. Et là, je vais parler à tous ces humains qui rient des Prakas. Ne ris pas des Prakas. D'abord, presque premièrement, mon nom, c'est pas Prakas, c'est Pakas. Et les Prakas, ils sont gentils, c'est des jolis hommes. Moi, je me rappelle, j'avais un galant, il s'appelait Prakas. Il était magnifique, hein. C'était un gentil homme. Il était grand, beau, tout ça. Et voilà, quoi. Ça faisait comique, ça disait, ah, Prakas et Prakas, vous les prenez pour épouse, les Prakas, c'est pas ça. C'est quelle confusion, non? Enfin, non, c'est, tout ça, c'était important. Tu sais, ça me fait penser ici que si le rejet chouchou, les gens, ils disent n'importe quoi. Ils fonctionnent comme le n'importe. Ils sont prêts à écrire ce que tu ne pourrais pas dire dans la vraie vie. Tu arrives comme ça devant quelqu'un, tu dis « Ta! Mauvais n'importe !» Tu ne pourrais jamais faire ça. Tu comprends? Mais n'écris pas ce que tu ne pourrais pas faire dans la vraie vie. Parce que ça fait de toi un las. Tu es las. Se moquer des humains derrière un écran, ça fait de toi une las. Et pas dans le bon sens du terme. Hein? Je ne te dis pas « Tu es las !» Comme si tu dirais « Hein? T'as compris ?» Comme si comme moi, un samedi soir, là, je deviens un peu las. Tu deviens là. Non, là, je te parle de toi en tant que personne, tu es un las. On ne doit pas se moquer des gens à cause de leurs pronoms. D'accord? Moi, c'est Prakas, Monisha, tu peux te moquer de moi si tu veux. Mais tu prends Nissa avec Prakas, tu auras affaire avec pas et casse. D'accord? Et tu n'as pas envie que ton figuier se retrouve entre ces deux-là, parce que ça a déjà déboîté la mâchoire des garçons, ça. Alors ne me fais pas venir là et venir papaf dans ton figuier. Ok? À tous les Prakas, je suis de tout cœur avec toi. D'accord? Ne t'en fais pas, ensemble, contre les cyberbullying. Allez, je te laisse parce que justement, je vais avoir un joli garçon qui s'appelle Prakas. Il vient d'être au chômage, il a démissionné depuis son poste direct à CWA. Allez, bye!